créateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Bonjour à toutes et à tous, longue introduction les amis, et pour cause, jeu d'exception, enfin en tout cas on l'espère, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce First Level. Je rappelle rapidement le concept des First Level, c'est simplement que nous allons découvrir ensemble le premier niveau d'un jeu vidéo. Voilà, en tout cas aujourd'hui, en ce qui nous concerne, c'est Tomb Raider, le dernier qui vient de sortir, qui est un spin-off de la série. Donc spin-off, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un épisode qui se situe tout avant les autres. Donc on va voir ce que ça vaut ensemble. Là on me dit se balancer, déplacez-vous de gauche à droite. Donc je suis à la manette, on joue sur PC. Et c'est parti les amis, on va voir ensemble s'il vaut vraiment le coup ce Tomb Raider. On va peut-être vous faire 30 minutes à 45 minutes de gameplay. Ensemble toujours. Allez, toi tu vas prendre feu j'imagine. Et moi aussi. Oh merde. Donc en fait, on incarne Lara à l'époque où elle n'était pas encore aussi agile qu'on a pu le voir dans les films ou dans ces jeux. Alors, on va essayer de se rapprocher de ça. Histoire de brûler la corde. Ça va faire mal. J'en doute pas. Faut pas t'abîmer, hein, surtout.
Ah. Putain, si on commence comme ça, on va pas aller loin. On appuie sur X, petit QTE bien sympa. Ah, ah la pauvre quoi. Ok, donc on avance. Bon, c'est difficile à manier parce qu'on sait qu'elle est un peu... Alors que là, j'appuie sur la touche avant, elle va à gauche, à droite, elle sait pas trop marcher. Elle a mal. Et j'ai l'impression qu'elle voit un de ses amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ok. Donc comme vous l'avez vu, on a coulé avec notre bateau. Une torche. Ah bon, une torche? Une torche. Une torche. Hey, une torche. Cool. Ok. Et du coup, on a été récupéré sur la plage par un espèce de mec bizarre. Un gourou peut-être, un taré, j'en sais rien. En tout cas, on fout le feu. On essaye. Ah, faut rester appuyé, d'accord. Bon, on a une gestion sympa des éléments qui nous entourent. Bon, c'est pas super moche. Si vous entendez un klaxon, on est à Paris, c'est normal. Oh non, il a dû m'entendre. Bah, surtout si tu parles tout. Appuie la torche. C'est pas vrai. Alors, appuyez sur LB pour examiner votre environnement. On a une espèce de scanner apparemment. Ok. On va allumer la torche du coup. Et on va... D'accord, appuyez sur A pour sauter sur les corniches. D'accord. On va monter ici. C'est bien, je suis discret. Et on va allumer ça. Ça risque de péter, non? Hein? Oula, pas ce que je voulais faire. Ouais. J'ai failli mourir par une caisse en feu. La classe, quoi, classique. Alors franchement, je trouve ça assez réussi. Ah putain, il m'a fait peur, ce... Il m'a fait peur ce con. Ah merde. Hop, je fais les deux sticks parce que je sais pas c'est lequel, je m'en fous. Je suis un boulet, je m'en fous. Je le vis bien. Allez viens, on est bien. Paye ton argument. Bon, à la papier. Ok. Donc oui, je disais, niveau graphique, c'est sympa. Du premier œil, hein, en tout cas. Hein, c'est ce que j'en dis. Hein. Si vous voyez les flammes qui se mettent sur le plafond, etc. Les animations sont pas dégueu. L'univers sonore est propre. On entend les gouttes d'eau, etc. Une volonté de faire. Trouver une sortie. On va encore perdre notre torche. Eh si. Eh si que c'est vrai. La marée. Il faut que je sorte ici. Alors, du coup, l'eau va monter. C'est une de ces... D'accord. Oula, il y a une mine ici. Il y a des mines. Ok. Alors. Qu'est-ce qui vient de descendre dans ce... Non, c'est bon. J'ai eu peur. Ah ouais, mais en fait, là, si on repasse là-dedans, ça va être compliqué. Il va falloir commencer le petit jeu de plateforme. On va brûler. Pourquoi, j'en sais rien, mais je trouve ça cool de brûler les choses. Hop. Il y a sûrement une raison, une manière. Ouais. Bon. Tu peux grimper là-haut, toi? Non. Ok. On va faire le tour. Donc Lara Croft, moi je sais que j'ai commencé les Tomb Raider sur le 2, qui était sur PlayStation 1 à l'époque. J'ai pas été bien loin parce qu'à l'époque j'étais une vraie mauviette. Hein. C'est genre, je commençais, alors pour ceux qui se souviennent, il y avait les tigres. Alors attendez. D'accord. Il y avait les tigres au début, dès qu'on nous lâchait en hélicoptère.
d'un truc à faire là. Et du coup, moi j'allais pas bien loin parce que j'avais peur. Instinct de survie, élevé. Hop, alors ça c'est un petit peu le shit du truc. Ça m'a montré des choses, mais quoi. Je vais voir si je peux pas brûler le. Ah ouais, mais non. Alors, instinct de survie, il me disait quoi? Ah oui, brûler ce qui est en bas peut-être, on va aller voir ça. Donc ouais, moi j'allais pas bien loin, parce que j'avais peur des tigres qui m'attaquaient en fait. Ouais, je sais. Mais j'étais jeune, ça peut se comprendre. Non? Vous croyez pas? Du coup, je reviens en force, voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien me refaire le 2, la suite de celui-ci, j'imagine. Alors, ça brûle. Ça brûle, la corde va brûler, j'espère. Il y a un truc à faire. Donc à savoir que j'ai le jeu avec tous les DLC dispo. La grande classe quand même. Avec les précommandes ça aide beaucoup. Alors, ouais mais ils vont s'éteindre là-dessous. Je ne vois pas trop quoi faire les amis. Alors. Ah mais je pense. Là-bas ça va s'éteindre direct. Bien foutu quand même ce moteur. Faut que j'arrive à passer de l'autre côté avec, ou du moins à faire arrêter cette chute d'eau, j'en sais rien. On va voir ça. Ça serait bien que j'y passe pas trois plombes non plus, quoi. Parce que quand je vous dis 45 minutes de gameplay, voilà, quoi. En fait, c'est la porte qui est là, en fait, il faut que j'arrive à faire sucrer. Donc on va la sucrer, y a pas de souci. On va aller de l'autre côté. Voir si on peut la faire sauter ou quelque chose, la faire brûler. C'est trop rien. Ah d'accord, on pouvait pas monter auparavant dessus. Et si on peut utiliser la caisse pour monter, ça serait pas mal peut-être, j'en sais rien. D'accord. Peut-être que la caisse a disparu. D'accord. Pourquoi pas. Ouais. Et tu veux pas monter. Bien. Ici, il y a un avion écrasé. Instinct de survie, est-ce qu'il y a un truc à faire? On va rallumer notre torche au cas où. Je suis déjà en train de galérer dès le début du jeu, les amis. Ça craint quand même. Ça se trouve c'est trop stupide en fait. Tous ces débris ramenés par la marée. Ouais, ok. Il y a un truc à faire avec ça. Est-ce qu'on peut allumer ce qu'il y a dessus? Je sais rien. Non. Ah les amis, je bloque un peu déjà dès le début quoi. C'est un peu la honte. D'accord. I have an idea. On va y aller. Oh mais que je suis bête. Les amis, vous allez me maudire hein, je vous jure hein. Vous allez vraiment me détester. Non. Monte. Ok, il y a un truc à faire, j'en suis sûr. Ah d'accord, j'ai saisi. Hop. J'ai saisi ce qu'il y avait à faire en fait. J'ai compris. Pourtant c'était pas compliqué hein, mais vous savez moi. Ah. Non ça veut pas. J'ai failli me prendre un truc sur la gueule. Je pense avoir saisi le truc. En fait j'aurais pas dû réellement brûler les trucs tout de suite. Voilà. Hop. En fait je remplis de débris le truc.
Et je vais pouvoir justement le pousser après quand ça aura pris un peu la porte plus loin, j'imagine. Ah d'accord, ok. Oh là là. Je suis mauvais. Aïe. Et t'aurais pas pu directement passer par le truc là où c'est tombé pour... Non, trop compliqué quoi. Ok. Bon. Un avion qui me tombe sur la gueule, rien de plus classique après tout. On va passer par là, y'a pas de problème, je suis pas emmerdant comme garçon. Oh merde. Ah le fameux truc fake de merde. Oh la pauvre, ce qu'il apprend quoi. Bon, on va courir. La lumière, la lumière. Oh putain. Ah. C'est pas moi. C'est pas moi. Bon, c'est pas grave, on va la refaire. Ça voulait peut-être dire, va pas par là. Alors, allez, les chargements sont un petit peu longs game. Bon, du coup, elle a pris cher. Ah, on souffre avec, c'est impressionnant. Hop, allez, saute. Saute, Lara. Oui, encore, Lara. Je t'abandonnerai pas. Oh, putain, j'avais pas vu le trou. Alors, je sais pas ce que c'est, ce qu'il y a os. Oh non, pas lui! Je sais pas lequel que c'est, je m'en fous! Y! Oh! Ah! Oh merde! J'ai fait un petit peu le QTE trop tard. Oh, elle a pris cher! Oh putain, elle s'est fait écraser comme une grosse merde. Truc de ouf, quoi. Allez. Hop, on va faire ça. Nanana, nanana, nanana. Lâche-moi, salopard. Hop, bim. Hop. Et c'est lui qui subit. Oh putain, c'est trash quand même pour un Lara Croft. Cours, Lara. Oh putain, ça devient limite quand même. Allez, on saute. Non, 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 bah non, mais non, mais putain, mais. Ah. Alors QTE, pareil. Tac 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 tac. Ah, esquive. Alors un jeu blindé de QTE les amis hein. Ça on vient de le voir en quelques minutes, ça c'est clair. Pour ceux qui aiment pas ça, c'est mal barré. Hop, une esquive pareil. Bim bim bim. On trotte, on monte. Et on est enfin sorti de cette galère. Ah quand même quoi. Ouais, quand même. Bon, elle est jolie notre Lara ou pas? Hein, dans les commentaires, pouce vert pour ceux qui la trouvent. Hein. Ok, bon, allez, on a retrouvé la main. Elle a toujours mal à son bidon. Hein. Alors, on débloque des bonus, c'est pas mal. C'est assez joli. Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Ok, donc chercher la trace des survivants. Alors je sais pas si toute l'aventure va consister à retrouver tous les gens. On va voir ça. Ok, doucement. Elle est courageuse notre Lara quand même. Hein. On l'aime bien, hein. On l'aime bien les mecs. Hein. Non, non, eh oh, ne fais pas des vannes comme ça là. Alors, c'est bien parce que... Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à faire une espèce d'immersion sympathique parce qu'en fait on est dedans quoi. Okay. On la sent vraiment pas sûre d'elle et c'est vachement bien rendu. On la sent pas du tout guerrière, on la sent totalement innocente dans une.
Enfin, un peu quand même, on va pas se mentir. Mais on la sent quand même vachement incertaine. Encore des avions. Ok. Ok. Bah écoute, si tu dis que c'est ok, moi c'est ok, ça me va. On avance sur une aile d'avion. Ah d'accord. Alors séquence un peu, je dirais, à la I'm Alive. Voilà. Uncharted. Oh, c'est un truc que je sens moyen encore une fois là. Lara, t'as des idées à la con. Comment ça je peux pas monter? Ouais voilà. Allez Zou, monte. Allez. 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 Hop, X blindé de QTE. Oh là 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 là. Mais nous on fait même. Ok. Ok. Elle doit être blasée déjà quoi. Elle doit se dire putain mais quelle vie de merde en fait. Alors animation sympa en fait. Si j'avance elle avance. Mais si je me rapproche du mur en avançant, elle pose sa main sur le bord du mur. Je trouve ça sympa. Petite escalader un mur. Enfin, bon, apparemment s'il y a un mur j'ai envie de dire c'est qu'il y a du monde. Hein. Bah c'est rempli de petits détails. Ah pardon. Ah mince. Je suis désolé. Sam. Ils ont dû passer par là. Donc la voix française qui est excellente aussi. Elle a mis un caméscope dans sa poche et des pilules. Pourquoi pas. Alors. Y'a rien à choper, genre des trucs qui peuvent te soigner, non? Non, pas du tout. Ok, on avance. Okay. Ok. Mais arrête de dire ok, dis autre chose. Oh non, putain. Oh putain, ça fait mal ça. Mais nous, on serait déjà pliés en quatre, je veux dire, les vertèbres explosées, mais non, elle non. Un truc de ouf. Je vais pas faire de vannes concernant ces seins en fait qui peuvent amortir les chocs. Même si je viens de la faire. Bon. Beaucoup plus glauque d'un coup. Tout à l'heure on était arrivé, c'était un petit peu dégagé, il y avait un beau soleil. Là c'est orageux. On est passé dans un espèce de filtre d'image vachement gris. Quelque chose qui change un petit peu. Et à la France. Messieurs. Si vous voulez la contacter, c'est le canal 34. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez! Ouais. Je crois que tu vas devoir apprendre à faire du feu. Même la caméra est tremblante pour montrer que Lara a froid. Une allumette. Donc c'était pas des pilules, c'était une allumette. Voilà. Ok, bon. Alors le début était un petit peu longuet. Là cette séquence, ça coupe vachement l'action. On a eu vraiment des séquences d'action pure et là on est vachement coupé. Trop, peut-être. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel.
Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Hé, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Vas-y, rattrape-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam ! Moi aussi, je finance le projet ! Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir Écoutez, ça. Faire cap vers l'est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai. Tu sais bien que je serais prêt à te suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le Triangle du Dragon. Comme bon vous semble. Et ben on peut voir que Lara a eu l'idée du siècle. Elle a juste détruit le navire et perdu tout son équipage, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Mon dieu. Bon. Le soleil est de retour, c'est déjà ça. Je peux pas rester là, rien faire. Chercher de la nourriture. Je vais justement y venir. Alors, on a découvert un camp, la crête à vérité. C'est là où nous sommes allés. On chope un pigeon, là. Vas-y, et grille-le. Ah ! Un cerf ! Cours, cours ! Tu cours plus vite que le cerf ! Oh, mon dieu. Oh. Le pauvre homme. Il a un arc ? Cet arc me sera utile. J'ai vu les flèches contre l'arbre. Oh, mais comme par hasard. Trouver une arme pour chasser le cerf. Et j'imagine qu'elle va se vautrer, non? Non. Il y a plein de... Ouais. Chelou, cette histoire. Allez, monte. Récupère ça. Il y en a là-bas. On va prendre ça, hein, déjà. Pareil, elle le stocke où? Dans son fut. On sait pas pourquoi. Faut monter là-haut. Faire le tour de la machine. Je peux pas chasser à main nue. Mais si, t'es une warrior. Il faut que je trouve une arme. T'es pas encore au courant, mais t'es une warrior. Hop, on va monter là. Donc je suis désolé pour le début, hein, j'ai été un peu lent à comprendre la... le truc. Mais c'est histoire de se mettre dedans. Mais non, bah, voilà. Je peux y arriver. Mais oui. C'était trop fort. Ah d'accord, ah ouais ok, encore un QTE, ok, c'est à moi d'appuyer sur A au bon moment. Oh là là. Ah, il est mort, t'inquiète, c'est bon, il se fera plus rien. Un arc improvisé, nouvel équipement acquis. Si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. Alors maintenant... La condition physique et la technique ne suffisent pas.
Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Bien. Alors où est-ce qu'il faut aller maintenant? Je suis trop affaiblie. Il faut absolument que je trouve à manger. Peut-être des trucs à choper dans les coins, je suis pas trop au courant de la mentalité des développeurs là-dessus. Apparemment, faut descendre. Donc on va descendre. Le long de la rivière, après tout, c'est là où on va trouver les animaux. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Alors, on va pas y aller trop brut. On va monter là-haut. Alors, franchement, s'ils nous balisent le terrain avec des, avec un arc, je trouve ça moyen, quoi. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Tu manges du pigeon ? Bon, j'ai vu le cerf qui s'est barré, là. Il est où, ce con ? Bon, elle a pas l'air de vouloir vous bouffer du pigeon dans cette histoire. Allez-y. Bouge pas. Bouge pas. Coucou. Mais non, tu sens rien, tu sens rien, tu sens rien. Et reste là, bordel. Couché. Allez, descends. Hop. On va aller bouffer un peu. Pauvre bête. C'est horrible. Désolée. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Ah, c'est horrible en fait. Ce jeu est ignoble. On martyrise une belle nana, on tire sur des animaux. Oh putain, c'est dégueulasse. Il y a un moment où je me sens vachement frustré dans cette histoire. Allez, il manque plus que le plan sur les boyaux qui ressortent, les gars. Tant qu'on y est. T'as mangé, ça y est ? Retourner au camp avec de la, avec la viande. Bon, ok, on va retourner au camp, du coup. Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. D'accord. En gros, et le sens de l'orientation, sinon t'es morte, quoi. Ok, on va retrouver notre camp. Et donc, à chaque fois qu'on est dans notre camp, on a ceci. Alors, dépensez vos points de compétences dans le menu de compétences. Il y a moyen de faire un petit peu l'évolution de son personnage et de ses armes, j'imagine. Instinct animal, on le possède déjà. Meilleure observation permet de repérer les animaux et source de nourriture difficile à trouver. Ok. On peut avoir. Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres et animaux. Ok. Fouiller les caisses et les cages pour trouver des matériaux supplémentaires. Fouiller attentivement les cadavres et animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis. Ça peut être pas mal, ça n'empêche. Trouver les poches cachées sur les cadavres ennemis, récupérer des munitions supplémentaires. Bon, après, c'est verrouillé de toute manière, on va pas tous les regarder. Mais je pense que ceci est pas mal. Hop. Ok. Ok. Et on a plus de points de compétence, donc on va sortir d'ici. Alors, je sais pas ce que c'est. Instinct animal, expérience survie, fouille. Survivant, chasseur, ok, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, feu de camp, voir la catégorie. Alors là, c'est moi qui tourne sur le menu. Hein. Menu un petit peu à la Dead Space. Voilà, un petit peu holographique. Donc, du coup, on peut pas faire grand chose d'autre que les compétences pour l'instant. Comme vous le voyez, le reste est indisponible. On va sortir. Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross ! Lara ? Tu es en vie ! Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai
vais parler aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du monstre Naudon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Bon. On vient de sortir de la forêt. Alors du coup, si on appuie sur X, on retourne dans nos menus, donc ça sert à rien. Hop, ok, l'arc on l'a toujours, on a plein de flèches. De la musique ? C'est assez pesant comme atmosphère quand même. Donc pour info, je le tourne en ultra, le jeu, j'ai juste enlevé les filtres qui sont un petit peu trop gourmands. Et là, la porte était fermée tout à l'heure. Ferme ta gueule, c'est pas une bonne idée. Je vais passer par là. Oui, sublime idée. T'as plus le choix. C'est vrai. Alors, descendre à l'échelle. Alors, pareil, les touches sont très très bien expliquées, bien mises en avant. Alors, le seul truc qui m'embête un petit peu, moi, c'est le menu du début du jeu, qui arrive comme ça, en fait, et du coup, je trouve ça un petit peu gênant pour la lisibilité de chaque option proposée. Bon, chaque mode proposé, après, bon, question de goût. Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Pas mal. Je pensais qu'elle allait rattraper la torche de l'autre côté, mais non, en fait, elle a transpercé. Allez, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de te le dire. Alors, y a un mec qui est resté longtemps ici, apparemment. Hein, ils se sont un peu ennuyés. On va avancer un peu. Ils se sont vraiment fait chier. Oh non, c'est de la folie. Je te le fais pas dire. Hop. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Examinez pour trouver les informations nécessaires. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, je bouge le masque et ma manette vibre. Un petit peu comme dans Elle est Noire, je sais pas si vous avez un petit peu joué à ça. Dès qu'on a un indice, on se rapproche d'un indice, ça vibre. Donc on peut zoomer, on va voir un petit peu. On sait jamais. Bon, ça mine pas des masses. Il y a des traces de peinture à l'intérieur, personne n'a une masse de vie de la noblesse. Bon, je pense qu'on a eu du coup le truc. Oui, bonjour. Enchanté, beau joli menu. Examiner la relique, fermé, on va fermer. Un menu sur lequel je m'attarderai plutôt en off, du coup. Ah, t'es comme ça, tu défonces tout, toi, t'es... Elle est violente, cette Lara. J'aime avoir les mains qui passent à travers les murs. Alors. Par ici, c'est... Non, c'était ouvert, il y avait moyen, mais je crois qu'il y a moyen de voler des trucs. Haha. Pour avoir accès à la pièce qui est là-bas, peut-être. On brûle tout! On est des fous! Putain, encore des trucs chelous. Oh, c'est trash. Peut-être récupérer quelque chose. Bon, une nouvelle arme, les amis. Putain, que c'est dégueulasse. Le piolet! Et la musique, par la même occasion. On peut pas l'arrêter, elle m'énerve, j'aime pas cette... Et le piolet sert à ouvrir justement les portes avec un magnifique QTE encore une fois. Vous l'avez vu à votre écran. Du coup, de manière, on n'aurait pas pu passer à côté. On était obligé de trouver ce piolet pour ouvrir cette porte au final. Donc, chose faite. J'ai vraiment l'aimé ce jeu, moi. Je vous le dis, je vais le finir. Je vais le finir avant tous les autres. Ok.
Ok, allez, c'est parti, on monte. Alors, on dit rien sur le maniement de la torche, mais... Enfin bon. Moi, franchement, je l'aime bien, ce jeu-là. Pour l'instant, je vous avoue. Maintenez B pour éteindre la torche. Sam ? Alors on a éteint notre torche pour pas se faire repérer. On y va tout doux. Lara, tu es vivante. Cool. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Plutôt méfiante, Lara. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Inigo. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Inigo régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Inigo était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers. Ok. Mathias ? Bon. Sam ? Alors, question 1, est-ce qu'elle a rêvé ? Question 2, est-ce qu'on les a enlevés ? Ah, putain ! Ah, prends cher, la pauvre, quoi. Prends ton piolet. Séquence de merde, je la sens trop venir, quoi. Putain, putain, ça vient d'où, là ? C'est horrible ! Bim ! Bim ! Next ! Next ! Je suis chaud là ! Même pas peur ! Bim ! Putain, je m'attendais pas à ce genre de séquence quoi. Genre. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, pour Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam.
Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. Non, en fait, je préfère l'autre, sans déconner, quoi. Non, s'il vous plaît, non, les gars. Merde. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. On va revenir au camp, j'imagine. Très bien, ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Bon. C'est pas si mal. Alors, niveau compétences, on n'a pas de points de compétences, on le voit sur le zéro, le reste est toujours indisponible après tout. On va pas traîner là. Alors les amis, bah ça fait 46 minutes, j'ai pas envie de vous laisser maintenant, croyez-moi. Ah oh oui, tiens, on va brûler ça. Mais il nous faut une torche pour enflammer cet objet. Ah. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ok, on va s'arrêter là. Donc comme vous voyez, il y a plein de documents à trouver. Hop. Il y a plein de choses à faire. Dans un milieu assez vaste, assez couloir, dirigiste certes, mais assez vaste quand même. Enfin, en tout cas, c'est l'impression de liberté que ça nous donne. Tiens, on va allumer la torche. Hop. Pour brûler ceci. On va beaucoup jouer avec le feu, j'ai l'impression, dans cet épisode. Beaucoup de QTE. Et on trouve des matériaux pour améliorer les armes dans les camps. Bon, les amis, c'est quand même ici que j'ai l'impression qu'on va se quitter. Ça fait 47 minutes. Croyez-moi, j'ai vraiment envie de vous en montrer plus parce que pour moi, il m'a vachement accroché ce jeu. Il en vaut vraiment la peine, en tout cas, la peine d'aller plus loin. Avec cette jolie Lara Croft, comme vous pouvez le voir sur tous ses angles. Messieurs, hein, dans les commentaires, allez-y. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, postée sur un autre jeu, ou peut-être que je vous ferai une séquence gameplay, pourquoi pas, que je posterai dans gameplay, donc je la commenterai pas. Mais en tout cas, vous verrez un petit peu qu'est-ce que la suite de ce Lara Croft Tomb Raider. Un spin-off, je le rappelle, de tous les épisodes qui existent sur les Tomb Raider. Bah, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner au YouTube, ça me fera vraiment plaisir qu'on dépasse la barre des 600 abonnés. Putain, on a un concours à lancer, bordel. Voilà, on a un petit concours à vous lancer pour bon, ça arrivera pas au pile 600 abonnés, ça c'est sûr. Mais on a un petit concours qu'on vous prépare avec des clés à gagner au niveau des jeux vidéo, etc. Donc franchement, n'hésitez pas, abonnez-vous, rejoignez-nous sur la page Facebook pour être informé de chaque vidéo qui sort si vous n'êtes pas abonné ou si vous avez peur de louper le mail d'abonnement. Vous pouvez discuter également entre vous sur cette page Facebook, je vais y arriver. On a également un Twitter et un site qui s'appelle le www.inrealgame.fr. Merci à tous, pouce vert, commentez et puis bah voilà. Allez, bonne soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Salut à tous, ciao.